Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire honore les éléphants basketteurs. La délégation des éléphants basketteurs a été reçue par son Excellence Patrick Hachi, Premier ministre, chef du gouvernement de Côte d'Ivoire. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Rentré au bercail après un beau parcours lors de l'Afrobasket 2021 à Kigali au Rwanda, sanctionné par une médaille d'argent et surtout un match victorieux de belle facture face au Lion Basketteur du Sénégal qui a émerveillé toute la Côte d'Ivoire. Ce mercredi 8 septembre 2021, la délégation des éléphants basketteurs de Côte d'Ivoire, avec à leur tête le président de la Fédération de Basketball, la présence du ministre des Sports, M. Dandou Poulain, du ministre Siandou Fofana du Tourisme et des Loisirs de Côte d'Ivoire, ont été reçus à la primature de la République de Côte d'Ivoire par le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Patrick Hachi. Le ministre des Sports a pris en premier la parole. À Kigali, du 24 août au 5 septembre dernier, ils ont réalisé un parcours exceptionnel qui a rempli le cœur des Ivoiriens de fierté et de joie. Ils ont battu toutes les équipes de leur poule, le Nigeria, le Kenya, le Mali. Ils ont battu en quart de finale la Guinée et en demi-finale la mythique équipe du Sénégal. Et en finale, ils se sont inclinés de justesse à un tir à 3 points. Ils sont donc revenus médaillés d'argent des Afro-Basket de Kigali. Une belle épopée. Et sur vos instructions, nous sommes allés les accueillir hier à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny pour leur donner les nouvelles du pays. Heureux de vivre ce moment de joie, le président de la Fédération ivoirienne de basketball, M. Mahama Koulibaly, a fait preuve de sa gratitude envers le gouvernement. Monsieur le Premier ministre, nous revenons de Kigali avec une médaille d'argent. On tenait à vous remercier. Je vous remercie infiniment parce que parti à Kigali, il faut avoir la bénédiction de son pays. Et c'est parce que le ministre des Sports, qui est ici présent, nous a permis de partir à Kigali que nous avons été capables de revenir avec une médaille. On tenait à vous dire merci. Merci à l'État de Côte d'Ivoire pour nous avoir permis de partir et surtout de pouvoir représenter vaillamment l'État de Côte d'Ivoire. Il est 16h lorsque le président de la Fédération de basketball, qui a rejoint le capitaine des éléphants basketteurs de Côte d'Ivoire, ont remis leur médaille au Premier ministre, chef du gouvernement et de Siandou Fofana du Tourisme et des Loisirs de la République de Côte d'Ivoire. C'est alors que Konaté, le capitaine des éléphants basketteurs, après ses remerciements, a présenté tous ses coéquipiers ainsi que les membres de la délégation. C'est après que la parole est revenue au Premier ministre, son Excellence M. Patrick Hachi, chef du gouvernement de Côte d'Ivoire. Je voudrais, au nom de son Excellence M. le Président de la République, et au-delà, au nom de toute la population ivoirienne, vous transmettre sincèrement toutes nos félicitations. Et quand je dis toutes nos félicitations, c'est vraiment du fond du cœur. C'est vrai, le basket, quelquefois, n'est pas celui qui, dans la plupart des sports qui sont exercés, attire nécessairement le plus de foule. Mais à l'expérience que nous venons de vivre avec vous, il fait tout autant vibrer les cœurs. Et vous nous avez fait honneur. Quand on dit félicitations, c'est d'abord parce que vous nous avez fait honneur à son Excellence, monsieur le Président de la République, à toute la population ivoirienne. Et vous êtes l'objet de notre fierté, une très grande fierté. Pour la photo de famille, le Premier ministre a tenu à honorer ses compatriotes éléphants basketteurs en arborant le maillot qui venait de lui être offert par le capitaine Konaté. C'est après cette belle photo de famille, des questions directes ont été posées à certains membres de la délégation pour honorer la presse nationale et internationale présente. CNN était là. Merci beaucoup. On est vraiment fiers, heureux, satisfaits, honorés par cette réception de la nation, pour les efforts qui ont été consentis par l'ensemble de la délégation.
et je pense qu'on ne s'attendait pas à cet honneur parce que honnêtement, on est parti de façon anonyme et on est reçu en héros. Et les mots d'encouragement, les valeurs que nous symbolisons pour l'État, exprimées par le Premier ministre, nous font vraiment chaud au cœur. Et on est vraiment heureux de cet honneur que l'État vient de nous le faire. Et toute la délégation, tous les joueurs ici, j'exprime cette satisfaction et on tient à dire merci à l'État de Côte d'Ivoire, au Premier ministre, au Président de la République, pour l'accueil chaleureux et pour l'attention particulière qu'il nous a accordée. Depuis la primature où le Premier ministre, son excellence Jérôme Patrick Hachi, a reçu les éléphants basketteurs qui ont ramené la médaille d'argent. Ousmane Koulibaly à la prise d'image et Aminata Diarra Soubomiko pour CNN. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info sur C-Web Info, 100% info non-stop. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.